Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Épisode 14, je crois qu'on en est au 14, je suis pas sûr. On va décrocher. Wade, qu'est-ce que tu me veux? So, it looks like we're ready to go with everything. Floyd don't think it's a good idea for us to meet at the condo, so maybe we should... Tell Floyd it is a good idea to meet at the condo. Bon, je sais plus qui c'est Floyd, je sais pas si c'est le Schnau. Ah non, c'est le défoncé là. En tout cas, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien. Nous sommes vendredi, normalement, le jour où tu regarderas cet épisode, le jour du poisson. Donc j'espère pour toi que tu t'es rempli le ventre de poissons et autres crustacés. Hein, comme dirait ta grand-mère, c'est le jour du Seigneur. Mais ça, c'est ta grand-mère qui le pense. Nous, jour du Seigneur, on y pense de moins en moins. Enfin, du moins, moi, j'y ai jamais vraiment pensé, en fait, à ce jour-là. Je mange du poisson quand j'ai envie, ils vont pas me péter les burns. Ils vont pas me dire quand est-ce que je dois manger du poisson. En tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo, puisque il n'y a pas de sujet à cette vidéo, et que je veux juste trouver la sortie de cet endroit. C'est tout. Et après, on va aller faire la mission. On va aller... j'ai deux points maintenant. J'ai H et j'ai B. J'avais mis un repère sur B, pour aller voir le FIB, continuer un peu la quête du sous-marin et tout le bordel de du bateau, là. Et du coup, entre-temps, j'ai eu l'appel de Floyd. Et quand Floyd t'appelle, tu hésites pas, tu fonces. Et là, je suis en train de faire n'importe... Est-ce qu'il va m'ouvrir le portail, le security boy? Bonjour. Non, forcément, tu vas pas m'ouvrir. Forcément. Si je sors un pistolet, que je te descends. Comment ça marche? Attends. Ce qu'on va faire, on va aller se cacher au fond. On va sortir le snipers. Et on va se le faire. Tranquillou, dans la discrétion. C'est qui lui? Sécurité aussi? Ouais, patrouille. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire le con. Hop là. Discrètement, on se met ici. Lui, il fait sa patrouille. Range ton arme. Il est beau, ce pont. Dis-moi, ici, c'est quoi? C'est un hangar pour mettre les bateaux? Il est où? La patrouille, elle est partie. Hop là. Hop là. C'est parti. Lui, on va se le faire headshot en silencieux. Ouais, secoue bien la nuque parce que ça va piquer. Voilà. Donc lui, c'est fait. On n'a pas été repéré. Maintenant, pour rentrer. Bah, on peut pas. À moins qu'on fasse un code ici. En fait, je suis en train de m'éloigner de la mission, mais sévère. Je sais pas ce que t'en penses. Bon, bah... Excuse-moi, je t'ai descendu pour rien. J'espère que tu m'en voudras pas. En même temps, c'est un jeu vidéo. On est d'accord. Endurance. Oh, mais moi, ils sont tous bientôt au taquet, mes persos. Hein, 100% partout. Des vrais athlètes. Que démarrer José Pérec. En blanc, sauf Franklin. Bon, là, il faudrait une voiture. Ça serait sympa pour me casser d'ici. Un bus, un vélo, n'importe quoi. Je vous dis à tout de suite, le temps que je trouve un véhicule. Bisous. Moi, j'ai envie de te dire que quand t'as la flemme de trouver une bagnole et que t'en as marre de marcher, un petit taxi. Un petit taxi qui nous met un peu de mazurka. Ça te met direct dans l'ambiance. On est bien Tintin, confortablement assis. Qu'est-ce qu'il fait? Démarrer. Oui, démarrer. Franchement, ça c'est le genre de zik en soirée. T'es un peu déchiré. Ça met bien l'ambiance, quoi. Tu vois, le genre de soirée où t'es bien transpirant, tu sais plus où t'habites, c'est pas grave. T'as plus de retenue. Bah allez. On va passer l'action. Comme ça, il me dépose direct. Parce que sinon, je vais partir dans des conneries pendant 25 minutes et on aura toujours rien fait. Et c'est pas le but de cette vidéo. Cette vidéo est à but thérapeutique. J'ai envie de te dire. Voilà, $39 pour une course de merde. Allez, on va aller voir le FBI. John Winch du FBI et Frank Mitchell. Son pote. Here's Trevor. Great! Looky looky, huh? Bunch of government shitbags and their favorite stoolie. What's he been telling you? Oh, he just said how you guys were happy to help the government in any way you can. Oh, really?
Huh? Because I was told that if we helped out with that thing, which we did, then our past indiscretions would be forgotten in a haze of patriotic fervor. Who told you that? Did I tell you that? I'm in charge here, Fruity. Me! You understand? Not quite. Well, can you explain that again? What I was saying! Oh, you're good. The three cunts. Listen, we need help with something else. Some of the government, some of it is pretty corrupt. Not your bit, right? Yes, but we're corrupt in a good way. But the agency, they want to encourage panic so they can guarantee their budgets. That's how they get paid. It's a major problem. And now they've secured some funds that we need to use in our fight against crime as a way of bribing corrupt officials. Really? And where are they getting that from? Drugs. Those bastards love to sell drugs. Who doesn't? We think they're going to use this money to finance a war on our streets. And we need you boys to requisition that money for us. The bonds are leaving the terminal in an armored car. Yeah, fuck you, Dave. We don't have time to prepare the right way. It's not my concern. I cannot allocate any more resources to this. You'll be fine. Fuck you, Dave. Nice work, Slick. We're gonna be doing pat-downs at the airport before those fucking clowns are done with us. Yeah, fuck you. Hey, look, man. It is what it is. Now, how the fuck we gonna get this done? I don't know. I got it. Classic blitz play. It's an industrial area, right? So I'm thinking vehicles. Trash truck to block, tow truck to sack them. We get some disguises, and we're golden. We just gotta hope like hell these are the kind of agency men that don't carry a panic button with them. If they are, we deal with it. If and when. If and motherfucking when. I will keep my eyes peeled, General! Thank you, Michael. Hey, no problem. No, really. Bon. Je sens que ça va être le bordel. Et je sens que cette mission va bouger contrairement aux missions précédentes. Quitter la zone. Bah ouais, je la quitte maintenant. Propose-moi quelque chose à faire. Parce que je sais pas si tu te rappelles l'épisode d'avant. Conduire une grue et déplacer un sous-marin pendant 3 heures. Ça va 2 minutes quoi. Alerte, oui. Sauvegarde-moi tout ça. Et maintenant, propose-moi du taf, s'il te plaît. Allez, tac, c'est parti. On aura besoin de bottes de travail et de masques. Le camion poubelle, on le prend à Mirror Park et on le rapportera au terrain. En gros, je vais aller chercher un camion poubelle, j'ai l'impression. Faut juste qu'il me le dise. C'est quoi ça? Non, ça c'est une grue. Sur de rapide et discret, on le laissera à bonne distance du terrain. Éviter de garer près d'un truc dans lequel on risque de foncer en tête. Alors bon, ok, vas-y, active. Parce que moi je peux pas dire en même temps là. Wow, voilà, désolé. Des préparatifs sont disponibles à H+2, c'est parti. On met un paquet, oh. Ce que je fais, ce véhicule appartient à Trevor et ne peut être utilisé comme véhicule de fuite. Eh ben 2 secondes, je vais chercher un truc. On est parti, H+58. Hop là. Par contre, il va falloir se repérer sur la carte. Oh, il y a un petit bar de dance. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une pause. Merde, je regardais pas la carte. Désolé. Lui, il est pas content. Boum, il va se payer un arbre. C'est dans... Oula, il a carrément explosé, le gars. Non, la station essence, c'est quoi ce bordel? Eh, mais je suis désolé, moi, j'étais juste rentré dans l'avant de la voiture. Pourquoi il se scratch? Oula, le motard. Il faut pas l'énerver. J'ai un H plus quelque chose pas loin. Ici. Là, ici. Non, j'ai plus. Il y avait. Est-ce qu'ils sont mouvants les trucs? C'est quoi là? J'ai l'impression qu'il y a tout un petit pactole de cours. Acheter 3 bleus de travail. Ouais, c'est ça. En fait, il faut faire des courses. Oula, je suis en train de m'étaler. Il faut faire des courses et voilà, allez bien. Faut avoir le dos bien rabougri. C'est ici le bleu de travail? Non, c'est là. Allez, hop. Bleu de travail. Acheter un pour. Bleu de travail pour T. Hop là.
pour M. Et pour Franklin. Tac. Sortez d'ammunition. Donc ça c'est fait. Maintenant nous allons aux autres haches. Les bleus de travail pour mes copains sont achetés. Un petit taille M pour Michael et un petit taille small pour Franklin, parce que Franklin quelque part, nickel, une vraie taille de guêpe. Mission réussie. Vas-y, dégage de l'écran s'il te plaît. Et maintenant on va continuer notre trajet, la conférence. Vas-y, je t'écoute. Ok, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. Deuxième point. Des kebabs. Acheter 3 masques. Alors. Voilà. Pour Trevor, un petit masque comme ça. Un petit cochon pour Michael. Et qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Ah, j'aurais plus vu ça à Trevor, merde. Allez, le petit singe, comme ça, on se fait la ferme célébrité. Voilà, tout le monde a son petit masque. C'est nickel. Voilà, mission réussie, je suis trop fort. Bronze. C'était quoi le cliché? Allez, il aurait peut-être fallu que je trouve les masques à acheter pour chaque personnage et que ça fasse cliché, je sais pas. Là, j'ai envie de te dire... Voilà, j'ai envie de te dire à tout de suite pour le troisième point. On écoute d'abord... Come on. Just to say, I got us some headgear for this masquerade balls up. Troisième point les amis, on y est. Voler la dépanneuse, en même temps là il y a une petite mission aléatoire. Mais on va d'abord prendre la dépanneuse. Elle est là. Ah mais il va appeler les flics si je la prends, non? Dégage, dégage, laisse-moi tranquille. On en parlera plus tard de ton histoire. J'aurais peut-être dû l'abattre. Non, parce que là il va m'appeler les Kiss Days, je vais tous les avoir au cul là. Mais bon, sur cette musique un peu country, j'ai envie de te dire qu'on va ramener la dépanneuse à son point de livraison. Quand tu conduis une dépanneuse sur Los Santos, il t'est toujours très important d'écouter de la country. La country, quelque part, c'est la musique du peuple. Et un peuple sans country, c'est comme un Kinder sans cadeau à l'intérieur. Tu vois pas l'intérêt d'en avoir un. Et là, je pars complètement à l'envers. Voilà, on va faire attention, excusez-moi. Et je te dis à tout de suite... au point de livraison, parce qu'il y a 2 km à faire. Allez, monte. Et à cette vitesse, on n'est pas arrivé. Le petit camion de livraison de bière, nickel. Point de livraison activé. Allez, là. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Tac. Maintenant, il nous reste... Allez, joli speak-up. Il nous reste... argent, je vois pas. Sans une égratignure. Ouais, c'est bon. Attends, on va me péter les burns. Il nous reste, donc, un quatrième... je vais pas dire achat. Oula, il est achat, yo. Mais un quatrième repère. J'aime beaucoup la musique mexicaine. Moi, je kiffe bien dans ce jeu la musique mexicaine. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être des racines au fond de moi-même un peu mexicain sur les bords. D'où mon amour pour la tapas. Pour le tapas. Oh
Voilà, tout est fait. Ce véhicule est utilisé pour votre fuite. Cachez-le dans un coin. Marqué lieu de fuite. J'ai pas compris. Quel véhicule ? Ce véhicule-là ? Je sais pas. Moi, j'aurais aimé avoir une voiture plus puissante que ça, mais bon, quoi que ça va, elle se manie bien, elle est sympa. J'ai envie de te dire... Quoique non, pas tout de suite. Les gars, faut qu'on planque le véhicule. Oh là ! Mais ce sera pas celui-là qu'on va utiliser pour s'échapper. Trouvez-en un. Ok. Déjà, ce sera pas celui-là, parce que je viens de bien l'abîmer. Et on va d'abord voir ce qu'il me propose au dernier point repère, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a à voler ? Qu'est-ce qu'il y a à acheter ? Je sais pas du tout. Là, on va tourner direct. Freestyle. H58. On va prendre la petite descente. C'est chaud de regarder le plan et... Il devrait faire comme pour le multi, avoir la possibilité de grossir le plan sur le côté. Alors peut-être qu'il y a l'option et que je la connais pas. Hein. Voilà, on va voler un camion poubelle, ça sera plus simple. Camion, poubelle... Non. Voilà, c'est... Non. Ah, je me fais écraser comme un con, lève-toi! Qu'est-ce qu'il fait le camion poubelle? Attends, je vais t'aider. Ne bouge pas, Hector. Voilà, dégage. Allez, un camion poubelle, on l'emmène au FBI, toi dégage, et on y va. Et voilà, et semer les flics, sinon c'est pas rigolo. Deux étoiles, c'est normal, j'ai envie de te dire. Là, les flics, ils vont passer par où? On va prendre par là. On va pas trop les exciter. Ah, ils sont là. Doucement, doucement. Voilà, de 1. Là, ils m'ont pas vu. On va aller tout droit. Toujours deux étoiles. Il aurait fallu que je me cache, mais chou patate. Ah non, je suis vu. Voilà, je suis repéré. Nickel. C'est ce qu'il fallait. C'est normal. Avec un camion poubelle, il n'y a rien de tel pour se faire repérer. C'est génial. Je vais finir à trois étoiles. Et là, ça va être le bordel. Alors maintenant, pour les semer, bonjour. Pour les semer, bonjour mes amis. C'est tout ce que je voulais, quoi. Me faire repérer. Alors j'étais tranquille. Je m'étais pas fait repérer. Et maintenant, je vais être comme un con. Putain, fais chier. Allez, tout droit, je le sens bien par la main. Ah, attends, ils sont derrière, bah ouais, comment tu veux les semer maintenant? Hop là, pas dans le taxi. Hop là, allez. Petit dérapage inopinant, pour bien les faire flipper. Hop, on pousse le poteau. Ouais, je suis dans la merde, mais franchement. Comment tu veux les semer à 12 km/h? On peut m'expliquer? C'est impossible. Là, j'en ai pour deux jours, à moins que je les extermine. Que leur voiture grille ou je sais pas comment ça peut marcher. Hop là, voilà, ils se sont mangés des voitures, ça en fait une de moins. Et j'ai envie de te dire qu'il y en a peut-être pour 3h30 là de course poursuite. Pas dans la merde. Oh, quoi que ça sème, hein, tranquillou, hein. Regarde, un petit virage inopinant par ici. Ils y ont vu que du feu. Les mecs, ils savent plus où je suis. Maintenant, hop, un petit virage tranquillou à droite. Voilà. Les deux flèches vont disparaître bientôt. Hop là. Maintenant, on se fait oublier. On repart un petit coup à gauche. On prend l'axe principal. Excusez-moi. Et voilà. Le tour est joué. J'ai l'impression. Faut juste qu'il n'y ait plus de flics. Et qu'on me laisse tranquille. Attention. Bon, c'est quand ils veulent, hein. Excuse-moi le bus. Voilà. Désolé. C'est bon. FBI, demi-tour. Pardon. Oh, tu fais trop mal avec un camion poubelle. Trop de la balle. Tu peux pousser tout le monde. Pousse-toi. Bon, je vous dis à tout de suite au FBI. Voilà, nous y voilà. De temps en temps, j'aime bien me la jouer vue extérieure. Remonter dans le camion poubelle. Oh, les mecs, ils sont taquins quand même. Hein? Il faut emmener à... Voilà, je suis sûr qu'il faut avancer de 5 cm. Bon, elle est où ta position, là? Ton petit fluo jaune, que je le trouve. Et là? Attends, il y a un souci là.
à côté, pile poil, désolé. Dis donc, ça se joue à rien du tout. Hein. Bon, le camion de poubelle, c'est fait. Est-ce qu'on m'a relivré une voiture? Voilà, on m'a relivré une blanche. Maintenant, il s'agit de faire quoi? On ne sait pas. Il va appeler Franklin, Michael, tout le bordel. On va m'expliquer un peu ce qu'il faut faire maintenant. Appel, conférence, on va lire, c'est important. Bah, je suis con. Trouver un endroit discret pour cacher le véhicule qui vous servira à filer. Par contre, le véhicule qui sert à filer, ça aurait été bien que je trouve un truc un peu de la bombe. Style ça. Ça là, c'est sympa. Ce que je te propose, mon ami, c'est que tu me files ta caisse, et moi je te file mon pick-up. Tu veux? Même si tu veux pas, tiens, tu veux pas, mais dégage. Hop là, où tu vas? Dégage. Oula, doucement, on va peut-être l'entretenir cette voiture, parce qu'elle a l'air franchement pas mal. Maintenant, on va trouver un coin discret pour cacher la voiture. On va se rapprocher au maximum du point H. Doucement, Fred. Alors, attends, doucement, on va regarder par là. Discret. Je pense que ici... Là, ici, là. Caché dans la fougère. Attends. Attends, ici. Trop bien. Doucement. Avec un peu de sang. Celui peut être utilisé pour le véhicule de fuite. Sélectionnez l'option marquée lieu de fuite quand vous appelez Michael. Tac. Michael, marqué lieu de fuite. Voilà. Trop style. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? San Andreas. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Bon, en gros, on est prêt pour faire le coup. Maintenant, il faut que j'aille faire le coup, tout simplement. Mission réussie, véhicule de fuite. Allez, on enchaîne sur la deuxième. On va tout péter. Excuse-moi. Salut, tu me prêtes ta voiture? Non? Ok, tiens, dégage. Ils ont pas les mêmes méthodes quand même. Hein? Oh, direct, c'est un gangster quoi. Faut pas énerver les gangsters. Là, je suis à combien? 1,84 km. Superbe. Ça va passer crème. Là, j'ai envie de te dire que je vais te faire une course-poursuite. Du moins, un trajet parfait. La perfection même. Je vais même pas abîmer un Enjoliver. Hop là, t'as vu, je t'avais dit. En même temps, j'ai failli faire. Voilà, il faut mieux que je me taise. Bon, on arrive enfin au point H, hein, avec quelques jolies figures artistiques. Je peux te dire que je l'aurais mérité ce point H, direct. Oh la Porsche. Bon, allez, c'est pas grave. Tac, freestyle. On est chez le cousin, cinématique, Brigitte. Enfin, dans 2 secondes. 4 secondes, ça va. 5. This place clean. Wade, you tidy. Floyd, massage. No, I really don't. Do you want me to get my dick out again? No. Does anyone want that? No. You're right. Hey, bro. What's up? Oh, hey, bro. You're late. 9 years fucking late. You know, you're so late, in fact, that you have no right to call me, bro.
that clear? Shut the fuck up. You're like a broken fucking record. Oh, yeah? Well, you're like a shit. Exactly like a shit. Where's the assistant? On his way. Kid idolized us. The creeps. Yo! Yo, Frankie. We were just talking about you. Oh, nattering. You know how it is. Yeah, whatever, man. So what we doing here? We're working, amigo. Taking a score. Yeah, done most of the planning, and I think we're gonna literally make out like bandits on this. Did you talk to Lester? Yeah, I called him. Apparently he's in the hospital having his vagina cleaned or some shit. He's got a wasting disease. 20% saved. Nah, that's not how we work. Well, you'll forgive me, but that's how we're gonna work this time, all right? We're doing it my way, because as I recall the last time when we did it your way, we all got shot at, you got buried, resurrected, turned into a twat, and Brad ended up in a fucking prison! Yeah, and Lester told us not to do that job, but we did it anyway. And Lester seems pretty good, man. Would you shut the fuck up, all right? And you, Michael, owe me, all right? So this time, we do things my way. Yeah, and what about after this? After this, we think about things. So what's the plan? Easy. We are sinking a freighter into Los Santos Harbor, all right? Now, Daddy's little helper, you're gonna be on the bridge, all right? You're the lookout. And you're boarding the freighter and planting charges. Me, I'm running the deep water salvage operation with a little help from my friends. You, fat man, of course, well, you're not one of those friends. Which part is easy, though? Oh, for fuck's sake, where'd you get the pussy, Mikey? Man, fuck you! Ah, better! I like that! Fuck you! Good! Good! All right, now let's go make some money, ladies, huh? Brilliant. Don't be a dick. Oh, your wish is my command, oh master! Let's go, Junior! Hey, Wade! Get Michael a wetsuit, all right? Take him to the boat. Oh! Hurry it up! We need some transport, don't we? I'm coming, man. Bon. On est parti pour le coup du siècle avec le cargo. Là, je pense qu'il faut monter dans la voiture. C'est parti. C'est bien, la voiture à Trevor, tu la défonces. T'en as toujours une nouvelle garée là. C'est normal. Tout le monde a une double voiture, triple voiture. Tu perds ta voiture, t'en as une nouvelle devant chez toi. C'est complètement logique. Donc là, on va se rendre au point préconisé quelque part. Un point jeune, tu vas au point jeune. Tu cherches pas à comprendre. Tu te tais, tu suis, t'écoutes. Tu es discipliné. C'est comme ça. Bon, après, t'as le droit de conduire un peu n'importe comment. Allez, on freine. Hop là, petit virage. Je sais, je peux utiliser le frein à main, mais j'avoue que des fois, j'ai fait quelques tonneaux avec le frein à main, et depuis, ça m'a un peu calmé. Donc, j'essaie de relativiser et éventuellement de freiner plus subtilement que d'habitude. Allez, on y va. On klaxonne un peu. Poussez-vous. Ma musique préférée dans les oreilles. Chaud patate. Merde, je me suis trompé. Sens inverse. Obligé. Voilà. Pardon. Voilà, attention, je fais que passer. Attention le taxi, merci. C'est bon, j'ai repris la bonne route. On est bien Tintin, direction Bruxelles. Parce que tu savais peut-être pas, mais il y a une carte cachée. En Belgique. Ouais, ça t'étonne. $400 du bonheur. Ça se passe sur le pont, le truc? Ah non, c'est sous le pont, je suis pas au bon endroit, c'est sous le pont que ça se passe. Ah merde! Comment on va aller sous le pont maintenant? Superbe. Ah putain, pff, là que ça va foutre. Faut que je sorte du pont maintenant. Il me faut une sortie tout de suite. Celle-là. Allez, on descend. On est pas loin du port là. Ouais. Je trouvais. On freine. On descend du pont. On y va. Oh, il y a un jump. Attends. Attends, bouge-toi. Oh, il y a un beau jump à faire là. Excuse-moi, Franklin, mais je crois que là, c'est l'heure du jump. On va prendre un peu d'élan. Alors, est-ce que c'est un saut unique? Je ne sais pas. On verra bien. Petit frein à main. Allez, on y va. C'est parti. Un petit jump avant la mission, ça me fait plaisir. Je te l'offre. Musique de jump. Ouh, ça va donner sa mère. T'es chaud? C'est parti. Yes, freestyle. D'accord, bah c'était pas du tout un saut unique, mais ça m'a fait plaisir de te l'offrir. Voilà, allez, on y retourne. On en a hâte de faire le con. Oh, là aussi, attends.
ça décolle. Oh là là, oh il est beau celui-là, oh il est beau celui-là. Jump, deuxième session. On devait faire une mission, je sais. Mais figure-toi que moi je suis comme ça. Quand t'as des imprévus, il faut saisir l'occasion. Frein à main. Allez, c'est parti. Jump dans le camion maintenant. Alors si celui-là c'est pas un saut unique, je veux dire, j'arrête tout. Il est où le camion? Il est là. Voilà, superbe. Allez, on s'en fout. Maintenant, on va retrouver la mission, parce que là, je crois qu'à ce rythme-là, moi, je me connais. La semaine prochaine, on est encore là. Et là, je crois que je pars pas au bon endroit. Non? Est-ce qu'il y aura moyen de reprendre la route? Est-ce qu'il y aura moyen de reprendre la route? J'ai l'impression qu'il y aura... Non, c'est en hauteur, maintenant. Non, mais ils se foutent de ma gueule. Un coup, c'est en bas, un coup, c'est en haut. Ça se passe où, leur bordel? Hop là, casse un peu de grillage. Maintenant c'est là-haut. Tout à l'heure c'était en bas, maintenant c'est en haut, c'est quoi ça? Bon, on va retrouver l'accès au pont, hein, qu'est-ce que je te dise? Mais bon, saoulé. Qu'est-ce qui s'est passé? Direct. Bon, en même temps, j'avais pas lu tout à l'heure ce qui était écrit en dessous. Aller jusqu'au pont, donc forcément, si j'étais sur le pont, en fait, à la base, j'étais déjà bien. Et moi, il a fallu que je descende faire le con, à essayer de faire des sauts uniques pendant la mission, donc forcément, échec de la mission. J'espère que tu m'en voudras pas, on va dire que c'était un petit moment détente dans la mission, hop là, pardon, voilà, sans une égratignure. Je te dis à tout de suite sur le pont. Bon, on arrive aux abords du point, là, on est d'accord, ok. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Okay, man, sure. Descendez sur la passerelle. Où est la passerelle? Elle est là. On va éviter de se faire écraser, on va se dépêcher. Donc ça se passe mieux que tout à l'heure déjà. Hein, on descend sur la passerelle. Et on est en position. Snipe. Hey dog, I'm in position. Let me know when you're ready. Ça sent la mission interactive. All right, I'm in position. Damn, that's a long way up. So make sure I don't run into any trouble when I get there. Fucking Trevor. All right, I got you, homie. Allez, je te couvre. Hey, yo, there's two guards. These are bad dudes, right? On va essayer de faire un double headshot. About these fools online. Yeah, they're a nasty bunch. Qu'est-ce qu'ils disent? Attends, on va essayer de faire un... Voilà, une double. Ça, c'est bon. It's clear, man. Climb aboard. Une balle de tête. C'est souvent Franklin, le roi du snipe. Alors maintenant, prenez le contrôle de Michael ou Franklin quand vous posez des bombes. Posez les bombes sur les piliers de proue. Comment on pose la bombe déjà? Non, éliminez les gardes. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah, c'est là, je suis con. Wouah! Heureusement que Franklin est dans le coin. Posez la bombe sur le mât. Le premier mât. Ce qu'on va faire, on va prendre... Non, range ton téléphone, on s'en fout. On va prendre Franklin. Voilà. Et on va couvrir Michael, parce que là c'est chaud patate pour lui. Il descend. Lui c'est fait. Voilà, on reprend Michael. Ce que j'ai envie de faire, je vais reprendre Franklin. Et il y a un ennemi par là, là. Normalement. Non? Et... Ah si. Ouf, ouf, ouf. Oh là là, ça a été chaud. Allez. Reprends ta patte à fixe. Voilà, c'est là.
Vas-y. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on reprend Franklin et on couvre Michael. C'est plus simple. Il est où le deuxième ? Là. Là, ici. Il s'est fait une dans la testicule. Maintenant, à voir où est Mike. Vas-y, mon petit Mike. Je suis là, je te couvre. N'aie pas peur. Mon père, c'est Wartek. Ma mère, c'est Wartek Girl. Un de moins. Un de moins. Il y a un paquet des gardes quand même, hein. Allez, c'est parti. On reprend Mike. Ouais, d'accord, je vais m'en faire un et tu vas me dire qu'il y en a encore un. Bon, c'est pas grave. Allez, pause. Non, tu veux pas la poser. Génial, génial. L'alarme est partie. Je savais qu'il y aurait un problème. C'est quand tu veux, tu la poses, cette putain de bombe. C'est ça le truc, c'est que je veux, il veut pas la poser. Non, il veut la poser de l'autre côté, c'est ça? Non? Il me pose pas la bombe, c'est ça le truc qui m'énerve. Bon, avant de la poser, on va reprendre... On va reprendre Mike. Et on va essayer de voir où c'est le problème. Et Michael, là, Franklin, on va dire, il voit rien du tout. C'est ça le truc. Il est où ce putain de pylône? Allez. Allez. Hop, voilà, il s'est fait. Plus que celle de l'intérieur. Allez, on y va. Reprends ton pistolet, mon Mike, parce que là, ça va être chaud patate pour toi. Reste planqué. On reprend un petit coup Franklin. Et on va aider Michael. Hop là, et de 1. Et de 1. Je suis pas sûr qu'il tire, lui, mais il tire. Vas-y, monte ta tête. Oula, doucement. Montre ta tête, Simone. Non ? Et de 1. Il y avait un là tout à l'heure, il y a 2 secondes. Il est passé où ? Je suis con, je tire sur ma... Mais que je suis con. J'ai envie de te dire qu'un let's play sans raté ne serait pas mon let's play. Bon, ça va. Il nous reste plus que le... Il nous reste plus que le truc de l'intérieur. En plus, on n'est plus repéré, c'est cool. Donc j'espère que tu m'en voudras pas pour ce petit fail. En même temps, tu commences à être habitué. Aller à l'entrée du côté. C'est-à-dire. Ah mais c'est bon, j'y suis, c'est bon. Discrétion. I'm not gonna screw around in here, all right? Just tell me when you planted it. Oh shit. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ah ouais, ils vont monter les mecs. Là, et de 1, une voiture qui arrive. C'est quoi ça? Elle est où la bagnole? Allez! Puis ils sont mouvants les mecs. Oh là là, je sais pas tirer haut. Fini Wartek. Oh, c'est un truc de dingue. On va pas y arriver. Voilà, et de 1, c'est sur ça. À lui. Ah d'accord, ils sont 15 000.
De 1. De 1. Il est aussi l'hélicoptère. Ah, dommage. Troisième fail. Ça, pour moi, c'est le genre de mission qui va durer 300 ans. Maintenant, on sait qu'il y a une voiture qui arrive et qu'il faut... De 1. De 2. De 3. Voilà, ça c'est fait. La première bagnole. Le deuxième. Dans les couilles, on s'en fout. Voilà, encore eux. Oh non, pas le téléphone maintenant. Je suis pas là. Je suis en train de faire la guerre. Là, je suis concentré. Un truc de dingue. À lui. Hop là, suivant. Ah merde. Hélicoptère, hélicoptère avant qu'il me tire dessus. Il est où l'hélicoptère? Il est là. Voilà, lui c'est fait. Suivant. Il m'en reste un là. Il est où ce trou du cul? Il m'en reste un par là. Faut que je le trouve. Il m'en reste un. Je le vois pas, bordel. Attends, il y a un problème. Je vois pas où il est. Il m'en reste un, je sais pas où il est. Coucou, t'es où? Non mais sérieusement, t'es où mon pote? Attends, tu dois être par là, tu tires de quelque part. Pourtant, je suis dans la bonne direction. Ah, il est là. Il est là, le coquin. Il se cache derrière sa voiture. Tiens, dégage. Donc maintenant, ça se passe comment là? Il n'y a plus personne. J'ai niqué tout le monde. Ok, je vais ressortir sur le point. Dès que je suis assez loin, on fait tout péter. Ça marche. Donc là, c'est Michael. On va éviter de l'abattre. Hein? On va pas faire la connerie deux fois. Il y a un garde qui m'a suivi. Voilà, ça c'est fait. Encore un. Voilà, et de 1. Allez mon Mike. Sois fort, je suis là. Il y a d'autres gardes. Où ça? Hop là. Hop là. Allez Mike. N'oublie pas que tu as Jaya Steak avec toi. N'aie pas peur. Enfin, je peux fail de temps en temps, je t'avoue. Merde. Hop là. Between the Ray. Une petite between en direct, ça me fait plaisir, je te l'offre. Côté nord. Tac. Petit jump. Récupération par Trevor. C'est ça? Allez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Détonation. Yes. Bon, j'aurais fail une fois, hein. C'est pas dégueulasse. Il est écart, faut que j'aille chercher les gosses. Donc j'espère que la mission est vraiment finie. Utiliser le sonar pour localiser l'appareil dans l'épave. Voilà. D'accord. Bon. Localiser l'appareil dans les débris.
Non, c'est dans les débris, donc on y retourne. Allez. C'est parti. Ah, il y a quelque chose. Je l'ai. Allez Mike, Trevor. J'arrive mon petit Mike. Carré pour monter, X pour descendre, ok. Ça marche. On va se dépêcher un peu parce que je vais être super à la bourre moi. Je pensais pas que la mission elle serait si longue. Allez. On active un peu, on va descendre un peu. D'après ce que j'ai compris, ça se passe plus bas. Voilà. J'y suis là, non? Descendre. C'est bon, je l'ai, c'est ça? On est parti. On remonte à la surface. On n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Vas-y, remonte un peu. Remonte un peu. Voilà. On va essayer de pas fail, hein. Ça serait bien. Ça serait intéressant. Donc, on va contourner par là. Ramener dans, pareil, dans la zone de sécurité. Remonte un peu. C'est quelle heure? Attendez. Bon les gars, entre temps, j'ai dû aller chercher les enfants à l'école. Il me reste pas beaucoup de la mission. Si j'ai le sourire en coin, c'est que tout le monde est là en fait. Il me reste que 5 minutes et comme je peux pas les finir plus tard, on va le finir l'épisode en famille. Donc à la rigueur, vous pouvez même dire bonjour. Bonjour. Voilà, ça s'appelle la honte. On y va. Donc si je me souviens bien, nous en étions... au fait qu'il faut ramener le sous-marin. Voilà. Et je suis pas au bon endroit. Si. Il est où ce truc? Il est là. Voilà. C'est parti. Donc j'espère que c'est les 5 dernières minutes de cette mission. Ils sont morts de rire là-bas. Eh oui. C'est la vie. Plus ça va, moi je pourrais faire de vidéo. Ça devient dur. Allez. On va couler un peu le bateau. Et on y va. Donc je me permets de faire cette dernière mission parce que il n'y a aucune scène de violence. Garons notre sous-marin. Hey man, what the fuck you doing here? You should be in bed. Yes, I should be. I would be if certain known associates were busy making themselves enemies of the state. You know, the FIB, Meriwether, IAA, you can fuck with them all day long. But when you try and steal an experimental super weapon and sell it to the Chinese, you and everyone you ever knew is gonna be fucked in the ass, you fucking chumps! Hold on, man. A super weapon? The Chinese, what? What'd you think is in there? I thought he talked to you. All right, man, so what now? Well, maybe I can organize to have it taken back and found amongst the wreckage. Whoa! Holy fuck, Lester Crest! Holding on and looking good, huh? Do you have any idea what you did here? Yeah? I pulled a score. What, are you jealous because you didn't get your 20%? If that thing doesn't go back, then we will all end up on every watch list in the entire planet. Watch list? So fucking watch! So they don't watch, they kill! Idiot, we'll all be dead within a week! Think! All right, listen. Take the truck, take a guy, do what you gotta do. Trevor? I'll load it up. Trevor? Great. Then you and the patient can take it all back. C'est une cinématique, donc on parle plus quand c'est une cinématique. Je leur explique. Découvre. Come on, Franklin. You owe me, Michael. Between the ray. I am old. What you gonna do, huh? Bullshit. I think of something. I gotta get Franklin some work too. Yeah, yeah. Lots of mouths to feed, amigo. Belle between. Ça va, elle regarde pas. Fuck!
Tout ça pour rien en fait. Ça se complique. Bon, bah mission pour rien, braquage réussi, voilà, vraiment. Ah ouais, coup de vente annulé, moins 20 millions, mais on aurait été super riche. Il n'y a aucune part à personne, mission pour rien, c'est génial. Bon, en tout cas, il ne restait vraiment que 5 minutes, quoi, comme j'avais prévu. Je vous dis, portez-vous bien, on se voit à l'épisode 15. Et comme dirait la famille pour dire au revoir. Au revoir. Voilà, il y en a une qui suit. Allez, ciao.